faux numéro du journal de l'économie. C'est un plaisir de vous savoir fidèle à ce programme. Nous démarrons avec un aperçu des principaux sujets que nous allons développer dans un instant. L'économie mauritanienne se porte bien. Elle va enregistrer une croissance de 3,5% en 2018 selon le FMI. La production de maïs devrait avoisiner 12,49 millions de tonnes en Afrique du Sud. Cette estimation est nettement en deçà de la récolte record de l'an dernier. Enfin, le Burkina Faso va bientôt apurer sa dette intérieure. C'est ce que soutient le ministre du Budget. Le Fonds monétaire international se montre optimiste sur l'avenir de la Mauritanie. Selon le FMI, l'économie mauritanienne affiche de belles couleurs. Le pays pourrait même bénéficier d'un second décaissement de 16,56 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 24 millions de dollars à la suite de l'examen du dossier prévu en mai 2018. L'économie mauritanienne confirme son embellie. C'est ce qu'affirme le Fonds monétaire international qui estime que le pays a enregistré une croissance de 3,5% en 2017 et 2018 et une inflation modérée à 2,3% en moyenne en 2017. Par ailleurs, les réserves internationales ont atteint 849 millions de dollars à fin 2017 et le budget a dégagé un solde primaire hors dons positif de 0,3% du PIB non extractif en 2017. En ce qui concerne le déficit du compte courant externe, hors importation du secteur extractif, a lui aussi baissé de 11% du PIB en 2016 à 8% en 2017, tandis que l'endettement a ralenti avec une baisse extérieure qui s'est stabilisée à 72% du PIB. Ce qui fait dire au FMI que les perspectives économiques de la Mauritanie sont favorables, compte tenu notamment des cours soutenus des matières premières ainsi que des efforts de politiques économiques. Il reste cependant des défis considérables à relever pour assurer la stabilité macroéconomique, atteindre une croissance forte et inclusive qui crée des emplois et réduise la pauvreté et améliorer l'environnement des affaires et la gouvernance économique. Mais le pays pourra compter sur le soutien du FMI qui prévoit un nouveau décaissement de 24 millions de dollars dans le cadre de la première revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit. Pour rappel, c'est le 6 décembre 2017 que le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé un accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit avec la Mauritanie d'un montant de 163,9 millions de dollars. Cet accord permettra d'accompagner le programme des réformes économiques et financières du pays en favorisant une croissance inclusive et diversifiée de son économie en vue d'améliorer le niveau de vie de la population, de maintenir la stabilité macroéconomique, de renforcer la viabilité de la dette et de réduire la pauvreté. 38% des institutions de microfinance exerçant au Ghana connaissent des difficultés. Selon la Banque centrale ghanéenne, eh bien, ces institutions cumulent des dettes allant jusqu'à 166 millions de dollars dues à plus de 700 000 déposants. Cette situation s'explique entre autres par la sous-capitalisation des établissements de microfinance et des banques rurales communautaires, ainsi qu'à la faiblesse des actifs de ces institutions de microfinance. Les autorités ghanéennes envisagent de mettre en œuvre de nouvelles réformes pour assainir le secteur. Déjà, la Banque centrale du Ghana a indiqué qu'elle ne délivrera plus de nouvelles licences d'exploitation d'instituts de microfinance. En Afrique du Sud, la récolte de maïs pour la saison 2017-2018 devrait avoisiner 12,49 millions de tonnes. Cette nouvelle estimation est légèrement supérieure aux 12,2 millions de tonnes annoncées en février dernier, mais elle reste loin du record de l'an dernier qui était de 16,82 millions de tonnes. Le stock attendu cette année englobe 6,24 millions de tonnes
tonnes de maïs blanc et 6,25 millions de tonnes de variétés jaunes. Cette amélioration des perspectives de production est liée aux bonnes pluies qui ont favorisé le développement des jeunes pousses. Pour rappel, précisons que l'Afrique du Sud reste le premier producteur et exportateur de maïs sur le continent africain. Je le disais en titre, la dette intérieure du Burkina Faso, qui est estimée à près de 115 milliards de francs CFA, sera bientôt apurée. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais plutôt le ministre du Budget, Edith Clémence Iyaka, a fait cette déclaration alors qu'elle était invitée par le club des hommes d'affaires franco-burkinabé pour justement échanger sur la loi de finances 2018 et la dette intérieure de son pays. La dette intérieure du Burkina Faso, pour une grande partie, a été apurée, selon la ministre Edith Clémence Iyaka, qui a expliqué aux hommes d'affaires que le gouvernement s'est appuyé sur le travail de l'autorité supérieure de contrôle d'État, l'ASCE. C'est la dette qui a été auditée par l'ASCE, et la dette régulière et irrégulière, elle a en tout cas été apurée au cours des deux années précédentes. Et dans le budget 2018, nous avons encore inscrit 17 milliards pour apurer encore la dette, mais des sociétés d'État. Face aux hommes d'affaires quelque peu préoccupés par les factures impayées de l'État, la ministre Edith Clémence Iyaka s'est voulue tout de suite rassurante en expliquant la ferme volonté du gouvernement à respecter ses engagements et surtout à relancer l'économie nationale et ne laisser personne sur le bas-côté. Le recensement qui avait été fait par l'ASCE en 2016 n'a pas été exhaustif parce qu'il y a d'autres qui continuent de se plaindre de l'existence de dettes au niveau donc de nos ministères et institutions. Nous avons adressé une correspondance à l'ASCE pour leur demander de repartir vers les sectoriels pour faire un audit complémentaire pour nous permettre d'analyser la situation et voir ce que nous pouvons faire pour accompagner donc ce secteur privé-là. Pour ce qui est de la question du budget, en cours d'exécution, la ministre a rappelé qu'il a été élaboré dans un contexte national marqué par la consolidation des acquis du budget 2017, la poursuite de l'opérationnalisation des objectifs du PNDS, les sécurités et la prise en compte des revendications sociales de tous ordres. En termes de chiffres, le budget 2018 est arrêté en recette à plus de 2018 milliards de francs CFA et en dépenses à plus de 2441 milliards. En croire à Madame la ministre, les investissements s'élèvent à 1086 milliards de francs CFA. Du Burkina Faso, rendons-nous en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a accru sa production de caoutchouc de 26% lors de la saison écoulée et compte même maintenir cette croissance jusqu'en 2020. Nous en parlons juste après une petite pause avec Casimir Kouidjo, notre chroniqueur. Bienvenue à vous, Casimir Kouidjo, dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors, qu'est-ce qui explique cet enthousiasme de la Côte d'Ivoire pour le caoutchouc? Il faut déjà dire que le pays a du plaisir donc, à s'afficher comme grand producteur de certaines spéculations sur le continent, à savoir déjà le cacao, où le pays est producteur, premier producteur africain et mondial en termes donc, de spéculation. Il y a également le cajou et enfin il y a le caoutchouc où la Côte d'Ivoire est également le premier producteur. L'autre raison favorable, c'est que désormais il y a certaines régions au niveau de la Côte d'Ivoire qui ont commencé donc par produire du caoutchouc. Il s'agit de la zone du centre et également du nord-ouest de la Côte d'Ivoire qui ont commencé par afficher donc de très bonnes performances en termes donc de production de cette spéculation-là. La Côte d'Ivoire qui, au cours donc de l'année 2017, a affiché une très bonne performance, vous l'avez dit tantôt, une croissance de 26%, soit au total 591 000 tonnes donc de caoutchouc. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est en train de se battre pour afficher une bonne croissance sur le marché international, car le défi reste encore entier sur le marché international au regard donc des perspectives et surtout de la demande de certains pays comme la Chine, qui veut accroître de plus en plus donc ça demande en termes donc de matières premières, en termes donc du caoutchouc pour accroître donc la production de ces industries. Casimir Kouidjo, en dehors de la production du caoutchouc, il y a la
question de la transformation qui reste encore entière dans cette filière là aussi. Bien sûr, Inès, il faut dire que si la croissance a été de 26% au niveau de la Côte d'Ivoire, il est quand même à noter que la production industrielle n'a pas suivi le rythme et donc il y a encore environ 130 000 tonnes de brut de caoutchouc qui n'ont pas pu être transformées pour le compte donc, de l'année de la saison 2016-2017. Affirme donc l'association dans le domaine et donc la production aujourd'hui est largement en dessous donc de la capacité du pays, de la capacité de la Côte d'Ivoire véritablement transformer donc cette matière première. Et la conséquence directe, c'est que le pays était obligé donc d'envoyer le brut du caoutchouc hors du territoire, ce qui n'a pas été du tout du gré donc des producteurs, parce que ça fait des manques à gagner non seulement pour les producteurs mais aussi pour le pays. Et donc cette situation doit être revue, car les investisseurs ici, c'est pas ce qui manque, et donc la Côte d'Ivoire doit pouvoir revoir sa stratégie d'investissement au niveau donc de cette spéculation là. Kazmik Pedjor, on note déjà qu'au plan mondial, la Côte d'Ivoire n'a fourni que 3% de la production et l'Afrique moins de 5%. Qu'est-ce qui peut justifier cette faible participation de l'Afrique? C'est vrai, Inès, les statistiques que vous venez de donner sont vraies. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur au niveau donc, du continent, suivi donc du Nigeria, deuxième producteur avec 144 000 tonnes, le Libéria, troisième avec 63 000 tonnes et le Cameroun, quatrième avec 56 000 tonnes, n'ont fourni que 5%, c'est-à-dire ces 5 pays réunis qui représentent donc le continent africain, n'ont fourni que 5% donc de la production mondiale, parce que les autres pays ont pris donc cette spéculation comme l'activité principale de leur économie. Je veux parler des pays de l'Asie du Sud-Est, notamment les pays comme la Thaïlande. D'ailleurs, la Thaïlande, premier producteur mondial avec 32% donc de la production totale annuelle, qui se chiffre autour de 112 000 voilà, tonnes au niveau donc, du continent asiatique. Aujourd'hui, la Thaïlande est en train d'afficher une très belle performance pour pouvoir relever le défi de la production du caoutchouc. Car il faut le dire, le caoutchouc aujourd'hui est utilisé dans l'industrie automobile et donc ces pays asiatiques ne comptent pas baisser donc, d'ardeur par rapport donc, à cette production. Et l'Afrique ici doit pouvoir redoubler d'ardeur. L'Afrique doit pouvoir investir dans les plantations, dans les jeunes plans pour véritablement asseoir une politique de croissance. L'autre chose dont souffre le continent africain et qui fait que la production n'est pas des meilleures, c'est que sur le continent, il n'y a que les plans sélectionnés n'arrivent donc pas à fournir le nombre de tonnages nécessaires par hectare. Et donc, la question des plans et aussi de l'investissement dans le domaine scientifique pour véritablement asseoir des plantations véritablement modernes restent encore entières sur le continent. Et je crois que la Côte d'Ivoire est en train de prendre la mesure donc de ce défi pour véritablement, d'ici les 5 prochaines années, relever ce défi sur le plan continental. Justement, Kazmik Pedjor, la Côte d'Ivoire qui espère 750 000 tonnes d'ici 2020, c'est un défi qui peut être relevé ou pas? Le défi peut être relevé parce que déjà pour 2018, on annonce environ 650 000 tonnes et pour 2019, on annonce 700 000 tonnes. Et donc, il ne restera que quelques 250 000 tonnes pour atteindre donc ce défi-là. Et au regard donc des différentes dispositions prises par l'association donc du secteur, je crois que la Côte d'Ivoire pourrait atteindre donc ce défi majeur. Et il faut préciser qu'aujourd'hui, la demande, elle est forte, je l'ai dit tantôt, au niveau de la Chine. Et donc, véritablement, la Côte d'Ivoire voudra s'afficher comme le premier partenaire sur le continent de la Chine. Et je crois qu'au regard des retombées de la filière, la Côte d'Ivoire pourrait atteindre ce défi-là. Avis donc à ceux qui veulent investir, le caoutchouc, un secteur porteur, on peut le dire. Oui, un secteur porteur sur le continent. Merci beaucoup, Kazmik Pedjor. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se donne déjà rendez-vous demain. Demain avec une autre spéculation. Avec les amis téléspectateurs, bien entendu, on dit à demain. Thank you.